Israël ne veut pas la paix. Israël veut la terre. Israël veut coloniser l'ensemble de la Cisjordanie et, si possible, récupérer Gaza. Moi, je suis très, très optimiste pour les Palestiniens. Je le suis beaucoup moins pour les Israéliens. J'ai l'intime conviction que les Palestiniens vivront un jour libres sur leur terre. Israël est en train de rater année après année toutes les possibilités qui lui ont été offertes par les nombreux plans de paix qui étaient portés par des forces considérables, par l'amendement de la charte de l'OLP. Même le Hamas a fait des pas considérables dans la direction de l'acceptation réelle deux États. Eux, ils le refusent. Mais je pense qu'un jour viendra où les États-Unis ne seront plus capables d'assurer l'hégémonie militaire d'Israël, et ça sera peut-être là le turning point de ce très très long conflit. Il y a d'autres portes de sortie moins violentes, elles sont pour l'heure dans les mains des Israéliens et de leurs faux amis occidentaux, de ceux qui leur tolèrent tout, n'importe quoi et le pire, sans se rendre compte qu'ils ne les poussent pas vers une issue heureuse.